Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très 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 heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo en compagnie d'Ya Spooky, bien sûr. Hey! Alors là les gars, vous le voyez bien, nous sommes totalement dans l'esprit de Noël. J'ai mis mon petit pull, j'ai mis mon petit bonnet. Et d'abord, en l'approche de cette merveilleuse fête de Noël, moi-même et Ya Spooky avons eu la curiosité de retourner sur le site du Dark Web. Et ouais les gars, on a pu remarquer qu'on pouvait acheter le Père Noël sur le Dark Web. Oui, oui, oui. Le site du Dark Web a récemment été mis à jour et on a bien remarqué qu'il est vraiment vraiment possible d'acheter le Père Noël sur le Dark Web. Et ouais, Rotec, j'ai même pu remarquer qu'on pouvait acheter plusieurs Père Noël et pas qu'un seul. Mais la question qui se pose là, est-ce que tu penses que ce serait le vrai Père Noël ou pas? Bah franchement, je pense pas, hein. Sur le Dark Web, c'est pas le vrai Père Noël. Ah ouais, mais moi je suis bien curieux de savoir si ça peut vraiment être le vrai Père Noël ou pas. Tu sais quoi, Ya Spooky, on va tout de suite se mettre sur l'ordinateur et on va commander le Père Noël. Alors les gars, ça mérite de mettre tout de suite des gros gros pouces bleus sur la vidéo. Il faut aussi s'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Et ben vas-y, tu sais quoi, on se met sur l'ordinateur, sur le site du Dark Web, et on va tout de suite commander le Père Noël. Ok, ça y est, nous voilà dès maintenant sur le site spécial du Dark Web. Et vous le voyez bien, regardez les gars, nous avons vraiment vraiment la possibilité d'acheter le Père Noël sur le Darknet. Oh, c'est une folie, Yaya, regarde. Ouais, franchement les gars, c'est complètement fou. Regarde, on peut voir qu'on peut acheter deux types de Père Noël différents. On a le Père Noël Saint-Nicolas et nous avons le Père Noël Marcel Noël. Oh là là, mais Raptek, le Saint-Nicolas, il traumatise les enfants. Oui, oui, regardez, on le voit les gars. Attends, mais regarde, le pire c'est le Marcel Noël. Regarde la tronche qu'il a. Oh là là, oh là là, les gars, c'est horrible. On peut le voir là les gars, donc le Père Noël Saint-Nicolas a une valeur de 1000 euros et le Père Noël Marcel Noël a une valeur de 1300 euros. Yes, Spooky, lequel on choisit? Je sais pas moi. Et en vrai, moi je pense, Robtech, qu'il faudrait choisir le Saint-Nicolas parce que je trouve que lui, en vrai, il se rapproche plus du vrai Père Noël. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu plus au Père Noël que l'autre, tu vois, donc ça, ouais, c'est vrai. Franchement, on est d'accord les gars, non? Ok, je clique. Oh, ok, ok, donc les gars, on a choisi le Saint-Nicolas. On peut même carrément ajouter une carte bancaire. On a même, regarde, l'identification produit. On a une suite de lettres, de chiffres. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais attends, peut-être laisse-moi juste vérifier la description du Père Noël là. Vas-y. Alors, les Santa Claus modernes sont nés des traditions entourant le Saint-Nicolas. On dit que le Père Noël prépare des listes de tous les enfants à travers le monde. Il les catégorise en fonction de leur comportement. S'ils ne sont pas sages, ils reçoivent en cadeau des livres à Noël. Le soir du réveillon, il accomplit cet exploit avec l'aide de ses elfes maléfiques qui fabriquent les jouets dans son atelier au pôle Nord et de son cerf-volant qui tire son traîneau. Mais attends, mais fais voir! Regarde ce qui est écrit là, surtout à la suite. Une fois que vous commandez le Père Noël, vous devez éteindre toutes les lumières et déposer du lait et des cookies au pied du sapin où Père Noël ne viendra pas. Quoi? Bah on est obligé, hein. Et puis regarde, Rob Tech, il y a écrit en dessous: commandez à vos risques et périls. Waouh. Hey, mais ça, Rob Tech, ça veut dire que c'est beaucoup trop risqué là. Oui, je sais, mais pour la vidéo, Ya Spooky, on est obligé de relever le défi. Et rappelle-toi, Yaya, c'est un bon moyen de gratter des cadeaux, non? Ouais, mais franchement, Rob Tech, je pense que ça va être chaud ce soir. Ça va, ça va. Ok, on peut poursuivre le paiement. Allez, tu sais quoi? Je l'achète et let's go. Oh, Ya Spooky, je suis trop trop content. On va avoir des cadeaux. Regarde, en plus, notre sapin est prêt. Il est magnifique, notre sapin. On attend juste que les cadeaux viennent sous le sapin. Ah, hein, Yaya, t'es chaud? Ouais, ou ouais, franchement, mais je t'avoue que moi, je le sens pas trop trop du tout, là. Et je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée, hein. Je t'avoue que j'ai pas du tout la confiance, là, ce soir, hein. Ah, mais t'inquiète pas, Yaya, ça devrait bien se passer. Eh, hey, on pourrait peut-être avoir une toute nouvelle PlayStation. Ou toi, tu pourrais peut-être avoir une toute nouvelle boîte de maquillage. Ça, je sais que ça pourrait te plaire, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais par contre, je t'avoue que j'aimerais trop aussi avoir de nouveaux vêtements pour Noël. Oh, mais Ya Spooky, je sais que t'auras tout ce que tu veux pour Noël, d'accord? Attends, Ya Spooky, par contre, il faut du coup préparer un bon verre de lait et quelques gâteaux du genre des cookies pour la venue du Père Noël. Eh oui, et d'abord, faut éteindre toutes les lumières aussi. On est obligé d'éteindre toutes les lumières, c'est ce qui était bien écrit sur la description du Père Noël. Ouais, mais non, moi je suis pas d'accord. Moi je dis qu'il faut pas éteindre les lumières du sapin. C'est Noël quand même, moi je veux qu'on laisse les lumières de Noël allumées, hein. T'as raison. Bon. On est quand même obligé d'éteindre toutes les autres lumières, mais on laissera la lumière du sapin allumée. D'accord, Yaya, t'inquiète. Ok, bon, allez, viens. On prépare le bon verre de lait pour Papa Noël.
Noël. Voilà, là je pense qu'on est bon. Hey, mais attends, moi, Robtek, j'ai pensé à ramener plein de gobelets. On va lui faire plein de verres de lait. On va être super généreux avec le Père Noël. Comme ça, il va nous donner plus de cadeaux, ok? Oh, ouais, c'est une bonne idée, ça. Allez, j'y vais, plusieurs verres de lait pour le Père Noël. Allez, hop, un deuxième. Allez, un troisième. Et puis, un petit quatrième, hein. Parce que je pense qu'il a bien soif, le Père Noël, hein. Mais bon, allez, maintenant on va passer aux petits biscuits. Bon, j'avais pas trouvé de cookies, du coup bah j'ai trouvé des petits princes, hein. Allez, hop, regarde, on va lui mettre plusieurs biscuits, wow. Comme ça, parce qu'on est bien généreux et parce qu'on veut beaucoup de cadeaux à Noël, hein. Mais voilà, 4 biscuits, là je pense que ça va. 4 verres de lait, 4 biscuits. Et là je pense que le Père Noël, il est obligé de nous faire plein de cadeaux, hein. Regarde tout ce qu'on lui a préparé. Ouais, vas-y, on met tout ça au pied du sapin, d'accord? Ouais, allez, c'est okay. Parti. Allez, c'est parti, let's go. Ok, bon bah dès maintenant tout est réuni, on attend l'arrivée du Papa Noël. Je pense qu'il faut monter dans les chambres et il faut dormir, parce que sinon le Père Noël viendra pas, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Hey, mais moi peut-être que j'ai une meilleure idée, je pense qu'il faudrait faire semblant de dormir, non? Oui, bonne idée. Ah ouais, dès lors qu'on fait semblant de dormir, on entendra directement l'arrivée du Père Noël. Comme ça on pourra filmer la venue du Papa Noël et tout ça, ça va être incroyable. Bon allez, on se reprend dès qu'il y a du mouvement, ok Yaya? Ok. Allez, let's go. Hey Yaya! Hey! Quoi? Hey, réveille-toi! Quoi? Il y a le Père Noël! Je crois qu'il y a le Père Noël! On entend les cloches du Père Noël! Oh! Bah viens, on y va! Viens! On va voir! Ouais, viens! Chut! Faut pas qu'on fasse de bruit, ok? Discrètement! Oh mon dieu, là c'est sérieux les gars! Je crois qu'il y a vraiment l'arrivée de Père Noël du Dark Web! Oui! Attends! Écoutez les gars! Où est-ce qu'il est? Il est là! Oh là! Qu'est-ce qu'il fait, les gars? Il y a le Père Noël du Dark Web! Spooky, prends tes précautions quand même! Soyons prudents parce que c'est quand même le Père Noël du Dark Web! Hein. On sait pas ce qui peut se passer, ok? Regardez, qu'est-ce qu'il fait, Père Noël? Il est en train de boire les petits verres de lait que je lui ai préparés. Et il est en train aussi de manger les cookies que je lui ai donnés. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de saccager tout le sapin, là, regarde. Mais pourquoi est-ce qu'il retire les lumières du sur le sapin de Noël? Mais c'est sérieux, il a pas le droit. Hé, hey, Père Noël, qu'est-ce que tu fais? Tu retires les lumières de notre sapin qu'on a préparé. Non mais tu saccages toute la déco là, t'es pas sérieux? Mais Père Noël, t'es sérieux ou quoi? Nous jeter les biscuits là! Non, mais vas-y, sérieux! Papa Noël là! Sérieux là! Non mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Spooky, une chose est sûre, c'est pas le vrai Père Noël, c'est sûr! Mais ça, c'est une certitude, c'est pas le vrai Père Noël, j'en suis sûr! Mais attends, pourquoi est-ce qu'il nous dit de venir? Regarde ça! Quoi? Je crois qu'il demande à moi? Non, Robtek en premier, non? Je sais pas! Non, va voir en premier! Mais Rob! Vas-y, allez! Vas-y, décrasser les cadeaux! Ouais, t'inquiète pas! Vas-y! Eh, tranquille, Père Noël, ok, hein? Tu fais pas de mal à Yaspooky, d'accord? Regardez, il y a des cadeaux dans la hotte! Yaspooky, comment tu le sens là? Je suis stressée, là, Robtek! Quoi ça? Un cadeau! Mais qu'est-ce que c'est? Franchement, je me demande ce que c'est, Robtek! Tu penses que ça peut être quoi? Je sais pas, ok? Mais t'as pas d'autre cadeau pour moi, Père Noël, là, hein? Chaud! J'essaie de gratter le plus de cadeaux possible! Mais Robtek! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça! Mais c'est chelou! Mais what? C'est à moi maintenant? Bon bah merci Père Noël, hein. Hey, Robtek, c'est à ton tour, faut que tu y ailles, allez. Sérieux, j'ai eu mes cadeaux, moi, regarde. Allez. Tiens, prends la caméra. Hey, Papa Noël, tranquille, ok? Ok. J'ai chaud, je suis stressé moi aussi. J'ai peur. Mais attends, Papa Noël, moi j'ai demandé une nouvelle PlayStation. Est-ce que je vais avoir une nouvelle PlayStation à Noël ou pas?
Quoi? Non! Attends, mais j'ai demandé une nouvelle trottinette électrique. Je vais avoir une nouvelle trottinette électrique ou pas? Quoi? C'est quoi ça? Okay. Oh, c'est un tout petit cadeau, je suis déçu. Est-ce que j'ai d'autres cadeaux? Oh ouais, j'ai d'autres cadeaux. Oh, mais attends, mais regardez, j'ai que des petits cadeaux, c'est nul. Non, c'est pas sérieux. Oh, oh. Eh, tranquille, tranquille, oh, calme-toi. Eh hey, mais regarde, moi aussi c'est trop chelou mes cadeaux, regarde ça. Ouais, là, c'est trop bizarre. Attends, y a quoi? Quoi? Ah, mais toi, prends, viens, viens, viens. Ah, au secours, au secours, au secours. Oh, oh, oh. Chelou! Oh! Non, mais vas-y! Mais il est chelou, ouais! Ouais, il est trop bizarre ce Père Noël là! Eh, hey, mais maintenant, moi je te le dis, il faut tout de suite qu'il parte de la maison là! Mais maintenant, c'est vrai, maintenant! Eh, pars de la maison toi! Mais pars! Mais pars! Ouais, il est chelou! Monte, vas-y, viens! Hey, viens, rentrer! On va tout de suite aller s'enfermer dans la chambre, comme ça on va être en sécurité! Ouais, allez, allez, viens par ici! Allez, je ferme la porte tout de suite! Allez, Roptek, c'est le moment de déballer tous les cadeaux! Hey, par contre, je te le dis, Roptek, je suis super excitée d'ouvrir les cadeaux, mais en même temps, j'ai très très peur! Hey, je commence par celui-là, non? Vas-y, c'est parti! Vas-y, déballe! Qu'est-ce que c'est, Rob? Je sais pas! Oh! Hein? Hey, mais Robtek, c'est un marteau! Mais qu'est-ce que je vais faire avec un marteau, moi? C'est trop bizarre. Mais Rob! Quoi? Regarde! Il y a du sang sur le marteau! Ah! Attends, mais ça a servi pour faire un massacre ou quoi? Ça me dégoûte! Ah, ah mon dieu! Et puis c'est quoi ça? C'est quoi aussi ce cadeau? Ah, ça, vas-y, déballe pour moi, je suis curieux! Attends, c'est bizarre ça! Attends, ça, c'est intriguant ça! Mais ouais, c'est trop bizarre! Vas-y. Hey, mais attends, Rob! C'est quoi? Rob! Oh! Oh non! C'est quoi, au pistolet? C'est un Oh! Au secours! Attends, mais peut-être que ça a servi pour faire un meurtre! Oh, mais je suis super inquiète, Robtek! Et puis toi, t'as eu quoi comme cadeau? Ah, bah attends, on va regarder ça tout de suite. Déjà là, c'est quoi ça? Attends, mais ça déjà, c'est bizarre. Je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir. Attends. Oh! Wow. Un couteau! Eh, hey, regarde! Il y a du sang dessus! Yaya! Ce couteau a sûrement été utilisé pour faire un massacre encore! Ah! Attends, je le pose, je le mets là! C'est chelou! Attends, j'ai encore un cadeau! Espérez, je crains le pire là, j'ai peur, Yaya! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh! Le film du Grinch! Yaya, le film du Grinch! Je me trompe pas, le vrai film du Grinch! Attends, je vais vérifier. Oh! Eh ouais, c'est vraiment le film du Grinch! Ouais. Oh là là! Mais c'est une blague! Eh hey, mais Robtek, moi je te le dis, je suis encore inquiète parce que ça se trouve que le Père Noël il est encore dans la maison là! C'est sûr ça! Eh hey, mais attends, je te propose qu'on regarde les caméras de surveillance. Et on regarde toutes les caméras de surveillance de la maison pour voir ce qu'il en est, ok? Ok, ouais, t'as raison, Yaya! Allez! Ok, comme tu me l'as dit là, je me connecte directement sur le système des caméras de surveillance de toute la maison. Là, ça y est, regarde! Oh! Il est là! Il est encore et encore dans la maison! Oh non! Il est en plein dans le salon! Yaya, tu le vois? Oui, je vois bien là! C'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais regarde! Non, je rêve! C'est pas sérieux! Mais regarde, il est en train de tout déchoupiner le sapin! Il est en train carrément de saccager toute la décoration qu'on a fait dans le salon! Ouais. Mais c'est sérieux! Regarde, le sapin est complètement retourné par terre! Non mais... c'est une blague! Ah, regarde là, il est détecté en train de se balader dans toute la maison. Ouais. Là, mais là, les gars, c'est une dinguerie, c'est pas possible! Les gars, je vous le dis, ne jamais commander le Père Noël sur le Dark Web, c'est une très mauvaise idée! Ouais, franchement, c'est une trop mauvaise idée! Et je crois qu'il est descendu jusqu'à la cuisine, regarde! Ok, je me mets sur les caméras de la cuisine. Les gars, attends. Là, il est là! Oh, t'avais raison, Yaya! Regarde, il est en train de fouiller dans les placards! Mais quoi? Mais il est complètement malade, ce Père Noël! Mais bah, sérieux, il se croit tout permis! Il se croit comme chez lui ou quoi? Et en tout cas, non, les gars, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le vrai Père Noël, hein. Le vrai Père Noël, il est pas méchant comme ça, c'est les gars. C'est vrai ça. Mais attends, regarde, il fouille dans le frigo. Ouais, mais il est... c'est pas sérieux. Quoi? Regarde, il est en train de se servir dans la bouteille de lait. Ouais, tranquille, comme si qu'il était chez lui. Hein. Non, mais comme si on lui avait pas assez servi de verre de lait là tout à l'heure. C'est vrai ça en plus. Non, mais sérieux, Yaya, on peut pas laisser faire ça. Non, t'es d'accord? C'est pas possible. C'est quoi? On va le virer de la maison tout ouais. de suite. Ouais, bonne idée. Vas-y, je prends la caméra. Vas-y, allez, on va pas se faire. Le virer. Allez, c'est chaud là. Attends, Yaya, regarde, il est de retour au salon. Oh. Viens, on va pas se laisser faire. Hé, mais tu dégages. Tu peux pas rester là. Tu vires, ok? Tu vires! Dégage! Vas-y, dégage! Sérieux, faut le dégager!
dégager. Allez, on peut pas rester là. Allez, ouais, pas tu sors. Tu sors de la maison. Dégage. Oh, oh, wow. C'est pas sérieux. J'ai abusé. Non mais vous avez pas vu ça. C'est sûr et certain, ce n'est pas le vrai Père Noël. On en a la certitude, hein. C'est vrai, Yaspooky. Eh ben ouais, c'est sûr et certain. T'as pas vu son comportement. Il était trop méchant. Oh, ça y est, c'est bon, ça suffit, les gars. Je pense qu'on en a eu assez pour aujourd'hui. Eh, les gars, assurez-vous juste de mettre un maximum de pouces bleus sur la vidéo. C'est trop important. Apportez-nous un maximum de soutien. On en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Et sur ce, on vous laisse. C'était moi-même et Yaspooky. Ciao.